Karine Baillet, un grand événement se prépare au Touquet Paris Plage. Pouvez-vous nous parler de cet événement ? Alors, c'est le Touquet Raid Pas-de-Calais. On aura la 13e édition le 6 et 7 avril 2013. Donc, c'est un événement au départ qui était un raid pour les adultes. Alors, qu'est-ce que c'est le raid ? C'est faire du vélo, de la course à pied, du kayak, du roller pour certaines courses. Et on est toujours ensemble, du début à la fin, par équipe de deux et tous faits en orientation. Donc au départ, c'était un raid pour les adultes. Maintenant, c'est un vrai week-end du raid au Touquet. On a un raid pour les adolescents, donc le samedi matin de 10h à midi, où on a une centaine d'adolescents qui vont prendre le départ de la course de 10 à 13 ans. Ensuite, on a l'après-midi un brevet du petit raideur. Donc tous les petits de 6 à 10 ans vont pouvoir obtenir leur brevet. En même temps, donc le samedi en début d'après-midi, on a des personnalités d'univers différents qui vont venir faire un raid VIP, donc aussi à leur portée. On a Francis Lalanne, on a Daniel Gilbert, on a des sportifs, on aura Sylvia aussi qui a dansé avec Francis Lalanne dans Danse avec les Stars, Claudio Lemi qui va faire son spectacle la veille. On a une trentaine de personnalités qui seront là. Et le soir à 18h30, c'est le départ du plus grand raid de France avec presque 400 équipes inscrites cette année. C'est une participation record. Bien, Karine, vous avez également pensé aux ados. Oui. Pouvez-vous nous parler justement de cette épreuve ? Alors, le raid ado, ça a commencé avec Allseam, hein, qui est notre partenaire de cœur. Ça existe depuis 5 ans. C'est pour les jeunes de 10 à 15 ans. Donc, le samedi matin, entre 10h et midi, ils ont un petit raid adapté à eux, avec du vélo, de l'orientation, du roller. Et les jeunes sont par équipe de deux, donc ou deux garçons, ou une équipe mixte, ou une équipe féminine. Bien, et donc nous nous retrouverons, rappelez-nous les dates quand même. 6 et 7 avril 2013. Voilà, et ce sera pour nous le moment de vous offrir des images à vous, téléspectateurs, qui attendent justement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un gagnant ? Oui, il y aura un gagnant parce qu'en plus on est étape du Challenge National des Raids. Donc on a parmi les 400 compétiteurs vraiment des équipes qui vont venir pour gagner la course. Donc si vous n'y participez pas, venez pour le spectacle. Le grand départ sera samedi à 18h30 sur la plage du Touquet et le lendemain à 9h le dimanche 7 avril. Et l'arrivée ? Arrivée toujours à l'hippodrome. Tout le site de la course, c'est l'hippodrome du Touquet. Merci beaucoup Karine, à très bientôt. Merci, à bientôt.